Et un seul André est créé, François Ngannou est tombé. François Ngannou, vous avez dit que lui n'est pas là pour le bon combat. Il est là pour se faire du beurre. On l'a payé pour qu'il tombe. Il tombe. Il ne tombe pas. Pourquoi? Il doit construire à Batché, mon frère. Il y a des immeubles qu'il doit monter. On l'a payé pour qu'il tombe. S'il a battu le champion de la boxe en personne, ce n'est pas le petit Joshua qui pouvait le dépasser. Vous ne réfléchissez pas, frère. Oh! Celui qui l'a mis KO la dernière fois, celui qui l'a tapé la dernière fois, lui-même est au stade, non? Il regardait, non? Vous n'avez pas encore compris que c'est une histoire de business? Ce n'est pas parce qu'il est tombé que ça veut dire que Francis Ngannou est faible, non? Si Premier Tich, d'abord au premier match, avait tapé Francis Ngannou, et c'est la première fois que Francis Ngannou est nouveau dans la boxe anglaise. Donc ça, pour lui, ce sont les entraînements, il s'entraîne. Soyez calme, ne criez pas vite, oh, ne criez pas vite la victoire, mon petit. Soyez calme. C'est le continent. Francis Ngannou n'est pas là pour le bon match, pour le bon jeu. Il s'en fout de ça, lui, il veut les dos. Soit on a payé. Moi, monsieur, c'est moi, me paye pour que je tombe. Comment je tombe pas, pourquoi? Il va revenir. Si Premier Tich avait fait la même chose, après qu'il est revenu la deuxième fois, il a corrigé. C'est comme ça, petit. C'est le Cameroun d'abord. Oui. La vie, c'est le schéma, petit frère. Ne prenez pas ça comme la réalité, petit frère. C'est le schéma. La vie, c'est le schéma. Soyez calme. Il y avait beaucoup d'argent misé sur Francis Ngannou. On a divisé en deux, on a deux. Ça, après, il a pris, il est tombé. Vous voulez quoi? Hein? Mais non, vous croyez que le petit là, le petit Joshua là peut taper Francis Ngannou dans la vraie vie? Vous croyez que Joshua peut taper Francis Ngannou dans la vraie vie? Vous êtes calme, hein? Dis donc, ne vous vexez pas. C'était Bazar. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao.